Yep. Et rebonjour à tous, c'est Transport, et on se retrouve de nouveau pour un nouvel épisode sur le Rush Ultimate de nouveau. Et bah oui, je retourne tout plein ces temps-ci, c'est super, moi ça me fait plaisir de reprendre un petit peu la suite. Et des gens, des mobs qui crament à la lumière du jour, je viens de faire passer la nuit, comme ça au moins j'ai le timing bon. À un moment donné, je n'utilise même plus le timer, donc au final... qu'est-ce qu'on s'en fout, hein, bah, même qu'on a un bon timing, etc. Puis bon, voilà quoi, c'est aussi une façon de faire, c'est chacun propre. Par contre, il y en a un qui... Mince. Ouais, je veux pas aller chercher l'Enderman tout de suite, hein. On a assez de matos à faire. Faudrait d'ailleurs que je pense à activer un petit peu au niveau des Ender Chests et tout le tralala, il y a plein d'enderpearls qu'on a besoin. Faut que je regarde s'il y a moyen d'en titiller 2-3, si on peut se faire... Non mais... Ce mec il nargue, hein, je vous jure. Ce mec il a envie que je le bute, mais non. Bon, viens ici toi. Allez. Vas-y. Ah, j'ai déteste quand tu me fais ça. Aujourd'hui on va peut-être passer sur de l'abeille. Vu qu'on a 2-3 abeilles qui tournent, j'aimerais aussi pouvoir trouver de nouveaux spécimens. Ce que je vais essayer de regarder, c'est si j'en stocke un peu des livres, parce que le problème c'est qu'on est dans un désert et pas toutes les abeilles. Celui-là, je vais me le faire. J'ai une armure, ouais, c'est bon. Donc, au cas où. Aïe. Mais reviens ! Oh ! Sale bête. J'allais l'avoir. Comme je disais, oui, les abeilles ne bossent pas toutes dans le désert. Et j'aimerais avoir deux trois bouquins pour pouvoir me téléporter à l'endroit souhaité. Mais l'Enderman là. Ah, je déteste quand il fait ce bruit là. Ah, j'en ai un stock ici, les énergies conduites. Voilà, comme ça c'est fait. Bébé. Ah bah c'est déjà, on a déjà du tomium ici qui traîne, on avait un petit stock sympa. Alors on verra ce qu'on peut faire, si on peut... Et oui, ça sera intéressant de faire une petite usine à enchante, si au moins de faire ça. Vous voyez ce que je regarde, parce que normalement c'est fait par des turtles des turtles assez spéciaux, qui demandent une certaine programmation. Bon, c'est pas très compliqué, hein, vous posez votre turtle comme il faut, puis vous y incorporez un passe-bin, comme ça vous avez directement la programmation dessus. Pas très compliqué, il y a des gens qui l'expliquent très très bien. Notamment Cephic qui a fait le système. Vous pouvez voir leur vidéo. Je pense que vous pouvez directement passer par feedthebeast.fr. Normalement, il est planqué là-bas, le bougre. On le salue tout fortement. Notre bon vieux Cephi national. Enfin, je peux pas tellement le dire vu que je suis suisse. Bon, c'est pas le tout, mais au niveau bouquin, c'est pas ça du tout. Hein. Du cuir, ça j'en ai. Et de la canne à sucre. On va se faire quoi? Deux bouquins. On va faire deux bouquins. On va partir à la chasse aux abeilles. On va faire un petit peu le stock, on va prendre d'autres spécimens différents, comme ça on pourra faire des croisements. Objectif premier au niveau des abeilles, c'est d'avoir deux types d'abeilles particuliers. Particulière, c'est une abeille, ouais. C'est d'avoir le type impérial et les industrious. Industrious qui permet de créer les... Je vais pas dire de conneries. C'est quoi qui font les impériales? Normalement c'est la Royal Jelly et les industries. C'est quoi? J'ai plus, j'ai un blanc, mince. Ah, le pollen. Ne me demandez pas pourquoi il faut une industrious pour faire du pollen. Techniquement toutes les abeilles sont capables d'en produire. Mais bon, apparemment il n'y a qu'un seul type d'abeille qui peut le faire. Et ça permettra après d'avoir là on avait des abeilles, enfin des ruches standards. Autant avec maintenant ces types d'abeilles là, on peut passer aux ruches supérieures.
Quoique je sais même pas si ça vaut la peine de les avoir, on peut faire des mutations plus faciles avec eux. On peut faire peut-être une protection nettement plus accrue. Ben honnêtement, je me dis, ouais, j'ai pas tout regardé comment ça fonctionne. Certes, il y a peut-être des facilités à avoir avec eux, mais je pense pas que, ouais, bon, c'est un choix hein, au final. Hein. Le problème, c'est que c'est un multibloc et comme tout multibloc, ça demande pas mal de ressources. Bon, c'est pas très très cher hein, en général, c'est plus du bois qu'autre chose. Et justement, ces fameux Royal Jelly, mais une fois qu'on a une production, on en a mais une tapée, on les tire à la pelle. Là, je récolte actuellement des graines pour pouvoir faire d'autres ruches. Pour être sympa de les faire bosser en masse. Voilà. Toujours bien, hein, l'élevage PNJ, quitte de vous casser le cul à faire le plein de graines. On sera aussi une usine, bien sûr. On se fera une usine à graines, etc. On se fera à peu près toutes les usines. On essaiera de récolter un peu toutes les ressources. On se fera évidemment une belle salle des coffres. Ça va de soi. Avec tout ce qu'il faut dedans, je pense que je vais essayer de mettre vraiment un maximum de ressources, même si c'est pas les ressources les plus utilisées. Ça sera quand même des ressources qui pourraient être utiles en temps et en heure. On verra comment on gérera notre système de stockage. J'ai pas terrain à entretenir si je veux faire un peu d'exploration, mais j'aimerais vraiment, vraiment balancer ça en attendant l'exploration, faire traiter ça pour avoir un peu de jus. Le reste du bois, j'en ai largement assez. Normalement, je dois être capable de le faire avec les arbres à rubber. Si tel n'est point le cas, bah, je tâcherai de repasser vite un coup les arbres à rubber par des arbres normaux. D'utilité d'avoir des arbres de la jungle qui permettent d'être utilisés pour les ruches et produisent relativement beaucoup de bois, et ça c'est plutôt cool. On a un mais c'est un peu chiant des fois avec Extra Biomixel. Un truc que j'apprécie vraiment pas, c'est le Extra Biomixel qui rajoute des biomes, soit très sympathique hein, j'ai rien contre ça, mais on tendance à disons moins garantir l'apparition de d'autres biomes standards comme la vanille, et principalement les biomes jungle qui est quand même assez galère à les trouver, et limite encore pire avec les biomes marais. Alors par contre des biomes mini jungle et tout, ça vous en avez, mais partout hein, ça il n'y a pas de problème, vous allez en trouver hein. En plus des sables mouvants, il y a beaucoup, je trouve qu'il y a même beaucoup trop de biomes uniquement orientés Extra Biomixel, ce qui en soi est un peu dommage je trouve. Bon, c'est les goûts et couleurs. Après dans les autres versions, on a aussi le nouveau biome Plenty qui est utilisé, qui lui est quand même un peu meilleur, mais on voit aussi il a un peu la même tendance de supprimer, enfin d'écarter un petit peu les biomes normales, enfin les biomes normaux qui sont quand même très très satisfaisants. Ils ont été créés à la base, ben ils ont toujours été c'est toujours sympa de les avoir, mais c'est un peu moins le cas. On arrive quand même à les trouver alors que Extra Biomixel c'est un petit peu le bordel. On a récupéré un petit peu d'abeilles, je crois que c'est des abeilles marbre, ouais, je sais pas pourquoi, des abeilles qui vivent dans les ruches de marbre. Bon, c'est un peu le coup, le comment dire, la petite touche fantasy du mode hein, en attendant, si on peut pas avoir un petit moment de folie hein, si on peut pas faire des trucs un petit peu en marge de ce qu'est la réalité, ah ben c'est toujours plus sympa hein. Je sais pas ce que vous en pensez hein. Faites-moi les retours un petit peu ce que vous pensez un peu du truc, et aussi hein, c'est pas parce que je joue sur une version d'FTB qui est plus qui est moins récente
que vous pouvez pas me parler de notre version d'FTB qui est beaucoup plus récente et même des nouveaux trucs actuels. Ah déjà, et ça bastonne. Bon, je vais me bouffer un peu. Mec, j'ai même pas le temps de circuler, que enfin de venir que... Ah, ça bête. Voyez ici. Et je crois que c'est ma chance qu'on est sans arrêt obligé d'un... Ah, on est obligé d'avoir des arcs pour les guider parce qu'ils ont tendance à se barrer chez Mathusalem, puis vous pourrir la vie. Qu'est-ce qu'on a? On a un punch, on a des ressources intéressantes et évidemment un inventaire extrêmement plein. Oh, toi tu vas vite mourir. Ah, je déteste quand ils font ça. Ça bête. Et là je suis plein, donc c'est un peu chiant. On a des sels. Faut sur rien, je vais pas les prendre. Un peu de bouffe. Et le reste, je... Bon, top de la nouille. Oh, mais ça va, oui. Circule. Oh, puis il y en a deux en plus. C'est horrible. J'ai au moins mon lit avec. Ouais, c'est bon. Bon, toujours pratique, hein, le lit avec. Même si ça tendance un peu à bugger dans Minecraft. Si vous cassez le lit, vous retournez... votre lit est bloqué. Tous vos lits sont bloqués que vous avez enregistrés au niveau du point du spawn. Ce qui fait qu'au final, vous retrouvez au spawn, hein. Et si vous avez fait moult kilomètres pour trouver une sympathique zone, c'est un peu emmerdant. Bon, soit. Bon, j'ai quand même trouvé un de ces fameux donjons, ces fameuses ruines de Tomcraft. Donc ça, c'est fait, on a vu. Je sais pas si on a déjà vu, il faudra que je regarde un petit peu les épisodes, les premiers qu'il y a eu. Ce que j'ai un peu tout fait, c'est que j'ai plus tellement tout en mémoire. Ça fait un moment que j'ai plus tourné de manière intensive. Tensive. Apprenons à parler français avec transport. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. En attendant, je cherche un peu des ruches, mais c'est un peu galère, mine de rien. Puis j'ai du désert un peu partout. En soi, ça me va, hein. Mais bon. Ça peut être intéressant d'avoir un peu des différents types d'abeilles. Et la map qui se charge pas tellement. Ou bien c'est réellement comme ça? Non, je disais. Comme pas déconner. Pas des masses, hein. Là on retourne de nouveau sur ce fameux biome. On a encore 2-3 abeilles ici, mais c'est toujours les mêmes. Évidemment, les araignées. Les abeilles ne se stackent pas. Vous savez quoi, on va balancer un peu des ressources, hein, maintenant qu'on en a plein. Sans topon la nouille, ça pareil. Qu'est-ce qu'on a encore? Bon, la pomme, on n'a pas faim. J'ai plus faim. Bon, on jarte. Qu'est-ce qu'on peut encore jarter? C'est bon, voilà. Des forêts, enfin, des abeilles de la forêt. Qu'est-ce qu'on a, des abeilles? Ah, peut-être des abeilles de l'eau. Vu que je suis assez proche, on peut peut-être s'amuser à avoir une petite prod là. Puis voilà, un petit peu d'exploration, hein. Ça fait pas de mal non plus. Comme ça, on voit un peu du pays. Bon, je suis allé un peu dans ce coin-là. Je vais chercher un poulet d'ailleurs. Ben, c'est vrai qu'au niveau abeille, c'est pas le top. Évidemment, je voudrais vous épargner un maximum d'ellipses, hein. En général, il y a peu de risques que vous en ayez, sauf si vraiment il y a un bug quelconque. Et on a un nouveau village de PNJ qui est là. Donc comme quoi, une exploration... Voilà, et ça se bastonne déjà, les mecs. Attendez-moi. Et... Évidemment, ils ont complètement... je suppose qu'ils ont liquidé le PNJ le PNJ des abeilles, dommage, il peut être utile à certains moments. Quoi qu'il en soit, c'est notre but recherché, vu que je recherche de nouvelles abeilles, et c'est le cas avec les ruches déjà préparées de la maison de la pierriste. Voilà, donc on va tout récupérer ça. Ah, je crois qu'il est en train de bosser le machin. Bon, vous savez quoi, on va le laisser bosser un peu. Manque des fleurs. Marché, je crois que c'est les champignons qu'il faut pour eux.
Donc là, du coup, ouais, ils vont pas beaucoup bosser hein, avec. Ah, je crois que ça se casse avec. Ouais, c'est fait en bois et ça se casse plus facilement qu'une pioche. Voilà, ça c'est fait. Hop, ça, ça vire. Non, mais je vais la riche, moi, quand même. Et... le bois, je veux bien, mais la riche, c'est mieux, quand même. Là. Voilà, une petite exploration sympa. Au final, le coup d'aller trouver des abeilles, ben, mission accomplie. Je n'en demandais pas tant parce que je voulais un petit peu créer mes ruches moi-même. De toute façon, on n'aura jamais assez des ruches, ça c'est obligé. C'est une chose qui est sûre. Ici, et ce qui est vraiment sympa, je vais quand même aller voir ici parce que ça m'a l'air un peu bizarre comment c'est formé. Ah, il y a vraiment une sympathique grotte. Ah, puis des champignons ici, tant mieux. C'est quoi, on va le prendre. Hop, fait un peu nuit ici, et on va aller voir un petit coup le. Comme ça, au moins on aura un champignon pour ces fameux ces marchés de rien. Voilà, ça c'est fait. Si tant que tu m'entends, si tu écoutes cette vidéo, celle-là elle t'est dédiée. C'est parce qu'il me le fait à chaque fois dès que je pose une question au niveau de ces abeilles là. Bah forcément il y a un gros bonnet qui va prendre plaisir à vous emmerder. Waouh, dis donc, t'es un planqué toi, qu'est-ce que tu proposes? Ah, comme des bibliothèques avec des émeraudes. Je me demande si j'en ai un peu en stock, ça serait intéressant pour ce délai de 3 bibliothèques qui manquent pour la table d'enchante, surtout que j'en aurai besoin pour le bouquin de Misscraft. Ouais, faudrait vraiment que je trouve un temps pour récupérer de quoi faire des ender chests. Je me souviens même plus. Normalement, si je dis pas de conneries, on allait faire un tour dans la forteresse du Nether pour se trouver un peu des blazes. Que peu de chance, j'en ai même sécurisé un. Si c'est pas le cas, on ira faire un truc bien propre. Pour avoir des blazes en masse et se faire des ender chests, très important. Ouais, punch, hein, ce qu'on s'en fout. Hein. Voilà, l'essentiel c'est que j'ai eu ce que je voulais. Sinon, le reste, j'ai rien vu de spécial et je crois que je suis en train de voir une jungle ici. C'est pas magnifique ça? Moi, je trouve que c'est vraiment une sympathique map. Si on peut avoir mix extra biome XL et biome normal, là franchement ça serait le top. Waouh, on va les laisser là où ils sont hein. D'ailleurs je pense qu'on va se laisser là gentiment. Le chemin retour je vais vous le passer, ça c'est peut-être un truc que je peux vous passer. On se retrouvera je pense à la base. Ça j'aurais récupéré un peu. Oui, alors les particules, tout dépend où on casse. Là on casse les particules, c'est de la brique. Si on casse ici, c'est de la particule de TNT. Donc imaginez un petit peu, si vous tapez en dessus, vous faites exploser, et si vous cassez ici, vous avez du mal à la casser. Non, ça a rien à voir, c'est juste des conneries, c'est juste marrant à dire hein, c'est pour vous tromper hein. J'aime bien vous tromper, vous malmener hein. Je suis un homme mesquin. Bon, je trouve une solution pour impacter tout ça et retourner à la baraque, et on se retrouvera pour le prochain épisode qui sera j'imagine l'épisode 20 vu que aujourd'hui c'était l'épisode 19. Ça c'est dit. Voilà, je refais un peu le compte hein, des épisodes, comme ça moi je suis sûr d'être à jour qui de vous dire des conneries à tout va. Et si ça vous a plu, ben moi ça m'a plu automatiquement hein, même si au final ça vous a pas plu, moi ça me plaît autant hein, j'aime bien si vous pouvez vous faire un peu souffrir. Non, c'est pas le cas, mais n'hésitez pas à quoi qu'il en soit, n'importe quel moment, même si vous avez des questions ou autre, n'importe quoi hein, je suis ouvert, je suis aware, n'hésitez pas, je suis là pour ça.
Et ben, il me reste plus qu'à vous. C'était une agréable journée, fin de soirée, etc. Tout du bon pour la suite. Restez sage, ne vous malmenez pas trop bien, ménagez-vous. On se retrouve pour une prochaine. Allez, bonjour à tous.